Vous aurez d'autres surprises bientôt. Laurent Ruquier est mystérieux au sujet de son couple avec Hugo Manos. Dans le cadre d'une interview accordée au JDD dimanche 9 avril 2023, l'animateur Laurent Ruquier, qui officie sur les antennes de France 2, RTL et Paris Première, s'est confié au sujet du couple qu'il forme avec Hugo Manos. Figure incontournable du paysage audiovisuel français depuis déjà plusieurs décennies, Laurent Ruquier est encore omniprésent sur les antennes, alors qu'il vient de fêter son 60e anniversaire. L'animateur est toujours aux commandes de l'émission quotidienne culte Les Grosses Têtes, diffusée sur RTL, où il a re-signé pour 4 saisons supplémentaires jusqu'en 2027. En parallèle, il présente toujours le programme hebdomadaire Les Enfants de la télé, chaque dimanche sur France 2. Enfin, après avoir laissé à Léa Salamé la case du samedi en deuxième partie de soirée sur la chaîne publique, Laurent Ruquier présente une nouvelle émission culturelle chaque mercredi sur l'antenne de Paris Première. Extrêmement discret en ce qui concerne sa vie privée par le passé, Laurent Ruquier a franchi un cap depuis qu'il fréquente Hugo Manos. En effet, le couple s'affiche régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux. De plus, l'animateur NHE accent aigu cite plus à évoquer sa vie amoureuse dans les médias, comme lorsqu'il a fait la couverture de gala au bras de son compagnon. L'époque a changé, et moi aussi. Je suis moins dans la retenue qu'il y a une dizaine d'années. Je n'ai plus rien à prouver, ma carrière est faite, mon image n'est pas trop mauvaise. Il n'y a plus d'enjeu, je me fais plaisir, a indiqué Laurent Ruquier dans une interview accordée au JDD dimanche 9 avril 2023. Au sein du groupe audiovisuel public, dont il reste l'un des piliers historiques aux côtés de Michel Drucker.